Je suis Sylvie Verstraat de l'Espinet, directrice de Voreal, de la Clé pour l'autisme, Fondation John Boss, site où il y a un IME, un CESAD, et puis des unités d'enseignement pour les enfants et les adolescents en pédagogie. Loi 2002, loi 2005 avec obligation de scolarité pour les enfants handicapés. Au sein des établissements de Voreal, automatiquement dans les projets d'accompagnement individualisé qui sont obligatoires à avoir pour chaque enfant, il y aura d'inscrit un temps de pédagogie, soit en interne au sein de l'IME avec les deux enseignantes spécialisées, identique au niveau de la classe externalisée dans l'école juste en face de l'IME, où là les enfants peuvent avoir également soit une matinée, soit une semaine complète au sein de la CLEX, avec possiblement des inclusions dans les classes avec des enfants ordinaires. Je m'appelle Audrey, je suis aide médico-psychologique et donc je travaille au sein de l'UE depuis une petite année maintenant. J'accompagne les enfants sur l'UE dans les temps clés du quotidien, aussi bien en inclusion, sur les temps de regroupement, sur l'autonomie également. On accompagne l'enseignante sur la pédagogie, donc on a un soutien pour la mise des contrats par exemple, l'accompagnement des enfants sur les temps pédagogiques. Je suis Cindy Journel, enseignante sur l'unité d'enseignement à l'école de La Châle d'Éragny. J'ai pris en charge cette année une classe avec 7 élèves avec particularité. J'ai choisi de venir ici parce que j'avais envie de passer du temps à analyser, rechercher, adapter mon métier en fait par rapport aux handicaps et aux particularités des enfants. Ici on accueille 7 élèves maximum. De 3 ans à 6 ans, des enfants qui ont un trouble du spectre autistique. La journée type dans l'unité de l'enseignement, on commence par un temps libre où les enfants font des demandes, font des jeux, et ensuite la journée est entrecoupée par des ateliers pédagogiques, des temps éducatifs et des prises en charge psychologiques. Le dispositif de l'unité d'enseignement est mis en place pour que les enfants puissent passer du temps aussi avec d'autres classes de l'école. Parce qu'il faut savoir que l'unité d'enseignement est dans une école classique avec d'autres enfants de maternelle, de la petite section à la grande section. Donc on a des temps d'inclusion où ça c'est plutôt individuel, où chaque enfant va se retrouver dans sa classe d'inclusion pour des ateliers, des regroupements ou un temps de motricité. Et certains moments dans la semaine, chaque enfant est pris en charge par une psychomotricienne. Les repas se passent en cantine, aussi avec les enfants des autres classes. Les enfants ont chacun leur manière de communiquer dans la classe. Il y a des enfants qui vont communiquer verbalement, d'autres enfants par le pointage, en montrant les choses ou en tirant l'adulte. Et on a aussi un système de communication qui fonctionne avec la plupart des enfants, c'est le PEX. C'est un système de classeurs avec des pictogrammes. Ils vont chercher leurs images, l'échanger avec l'adulte pour obtenir l'objet désiré ou faire des demandes diverses. Voilà. Je suis coordonnatrice pédagogique sur l'IME et sur le CESAD. Je suis mise à disposition par l'Éducation nationale sur l'établissement IME et CESAD. Et je fais le lien avec l'Éducation nationale. Donc je rends des comptes aux inspectrices sur les projets des enfants. Je rencontre les familles à leur demande et je les rencontre également lors des équipes de suivi de la scolarisation pour faire le point sur l'année qui est en cours et pour travailler sur la pédagogie et ce qu'on peut proposer à leurs enfants les années suivantes. Je suis Madame Rakout Maef. J'ai des enfants autistes, deux enfants autistes, des jumeaux, un garçon qui s'appelle Lilian et une fille qui s'appelle Lauriane. Nos enfants sont accompagnés par la Clé pour l'autisme depuis 2011, un an après leur diagnostic. Et c'est très important que Samy soit dans une école. On a voulu intégrer Samy dans une école ordinaire avec des enfants ordinaires, mais ce n'était pas possible vu ses difficultés. Donc l'UE, c'était pour nous une chance. En fait, c'était vraiment une chance pour nous. Et comme ça, il pourra être avec les enfants autistes et les spécialistes, et aussi avec les autres enfants ordinaires. Comme ça, ils pourront apprendre beaucoup de choses. Les enfants vont à l'école, donc on est très contents parce que c'est un lieu où elle peut fréquenter tous les enfants comme eux.
C'est un lieu pour apprendre beaucoup de choses, les apprentissages purement pédagogiques, apprentissage d'autonomie, apprendre le savoir-vivre, enfin faire la socialisation. Dans notre famille, l'apprentissage est très important. À l'école, c'est très important pour nous, pour lui, pour toute la famille. On a eu l'appel de la directrice qui nous a dit que voilà, il est accepté, il a une place à l'unité d'enseignement qui est vraiment une chance pour nous. Et on n'a pas hésité, comme c'est une chance pour lui, qui va être bien suivi jusqu'à 20 ans. En tant que maman, j'admire toujours les professionnels qui travaillent dans ce milieu d'handicap. Aujourd'hui, tout va bien. Samy, il a bien évolué depuis, heureusement qu'il y a lieu. Le rôle de la Fondation, c'est d'accompagner les projets et c'est de les faire perdurer. C'est-à-dire à partir du moment où l'ARS nous demande de construire un projet d'unité d'enseignement maternel, ça répond aux besoins d'enfants qui sont sans scolarité et ça répond aussi à la loi de 2005 et ça répond aussi à un réel besoin que nous, on a pu constater au sein des établissements, notamment de Vauréal.